Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour jouer donc à Escombat 4 en version complète. On avait fait Escombat 2, Escombat 3. On avait pratiquement fini Escombat 1, d'ailleurs il faudrait qu'on s'y remette. Et on va du coup passer enfin sur la seconde génération avec la génération PlayStation 2. Avec ce Escombat 4 sorti en 2001. On va tout de suite commencer une nouvelle partie en mode normal, en fait en mode hard. C'est un jeu qui est très compliqué mine de rien. I was just a child when the stars fell from the skies. But I remember how they built a cannon to destroy them. And in turn, how that cannon brought war upon us. War was an abstract idea, nothing more than a show on TV. As a child, I only saw it as something that happened in some faraway land. Until that final day of summer. One day, while on my way to school, I looked up in the skies. A sound like distant thunder. In the blue skies far above me, contrails drew dizzying circles around in a crazy waltz. A battle in the beautiful skies far away. I could not tear my gaze away from them. A deafening roar. Silhouettes appeared, as if to graze the hills and streak past me. The fighters played the cat or the mouse in turn as they climbed swiftly into the sky. One fleeing plane fell out of the skies, spiraling and spewing orange flames to crash by the cape. The same cape where my family lived. Now they only live in my memories of days past. The victor circled around to confirm the kill. And on his craft, there was a large number 13 emblazoned in yellow. I will never forget this. The Allies retreated across the ocean before the onslaught of the enemy. Our little town in the heart of the mainland fell into deep isolation. After the planetfall of the Ulysses 1994 XF-04 asteroids. Stonehenge, the Erujian weapon of mass destruction, was originally built to shoot down asteroids. Upon discovering its potential as an anti-aircraft weapon, the Erujians ruled the skies over the mainland. The ISAF's attempts to destroy Stonehenge through airstrikes failed. As a result, strategic positions on the mainland were lost. This in turn forced ISAF to evacuate from the East Coast to North Point. ISAF GHQ is regrouping its remaining combat forces at North Point. However, the Erujians control most parts of the mainland, and they have forward deployed bombers to Wrigley Air Base, a former ISAF facility. This bomber force will attempt to deal a lethal blow to the ISAF at North Point from this strategic position. SITREP and your orders for deployment, effective immediately. Enemy agents destroyed our early warning radar network, allowing several air bombers to penetrate our airspace. In 15 minutes, we expect this bomber formation to strike Allen Ford Air Base and then move on to targets at North Point. Our air defense forces are extremely weak at this point in time, hence our GHQ is a sitting duck. It is mission critical that you destroy the bombers and neutralize the threat before they get past Newfield Island. Remember, you are the first line of defense for North Point, and the fate of ISAF lies in your hands. Alors, après cette longue introduction... Bon, je ne peux traduire pas ce qui est écrit en anglais, je suis désolé. Enfin...
Lynn Parrin en fait. Mais bon, vous aurez compris, suite à carrément une énorme arme récupérée qui soi-disant pour. Enfin, qui à la base servait à détruire les astéroïdes, hein, donc détruire les astéroïdes, je peux vous dire que c'est ultra violent. Ils se sont retournés du coup. Et ils vont l'utiliser donc comme arme sur Terre complètement pour dominer le monde en fait, on va dire ça. Et du coup, après maintes défaites, on se retrouve nous tout au nord, nord-est de la carte. Et on va devoir du coup déjà éviter dans cette première mission de se faire bombarder et anéantir carrément, complètement. Puisque c'est quasiment les derniers bouts de terrain qui restent à protéger. Donc voilà, quelques avions. On va du coup, on va commencer directement avec un F4. On va pas forcément prendre le prochain avion. On peut acheter déjà, vous allez voir ici. On peut déjà commencer à acheter un F5 Fighter, mais on va pas le prendre. Hein. Pour l'instant, on va se débrouiller avec notre F4 et on va démarrer la mission. Alors ce jeu a une ambiance quand même assez unique, enfin tous les combats finalement. Donc c'est pour ça que je vais parler, mais je vais pas forcément parler tout le temps. Donc on va prendre le F4E. Donc on a qu'une arme débloquée pour le moment, on va pouvoir s'en servir surtout dans la deuxième mission. Voilà, donc détruire toutes les cibles. En 2001, je peux vous dire que c'était la classe comme introduction. Ça a pas mal vieilli comme jeu, mais bon. Allez, c'est parti. Today is my birthday. Donc là on va essayer vite de détruire des bombardiers qui vont du coup taper un bout de l'île. Et non, on va essayer à chaque mission de faire le plus de dégâts possible pour essayer d'avoir le rang S, même si je pense pas qu'on puisse l'avoir. Là par exemple j'ai loupé complètement. C'est pas grave, on va prendre notre temps. On va faire la stratégie habituelle, c'est-à-dire de raser la map, hein, complètement. Les musiques sont quand même assez exceptionnelles, enfin je le répéterai jamais assez.
Mais les musiques de combat sont, enfin, pour moi, sont incroyables. Donc quand vous avez les points, 840 points, on a le rang S, donc on a fait le maximum de points, enfin en tout cas demandé pour le rang S. Et sur l'époque, voilà, ce qui était pas mal fait, c'est d'avoir quand même le sol qui était, en tout cas vu de haut, plutôt bien rendu. Thanks to your efforts, the enemy bomber strike was averted. However, our victory will be meaningless should you fail the next mission. Alors, il explique que notre mission n'aura été de pas de grande utilité si on échoue à la prochaine, ce qui semble logique puisqu'on est en tort, on est encore en mode critique. The war seemed to unfold in the blink of an eye. I don't remember exactly when the forces from the west occupied my town. I was too busy scanning the skies day after day, waiting for Yellow 13 to reappear. Before I knew it, everything changed. The language they taught us at school. Our friendly local sheriff disappeared and was replaced by foreign MPs. In the beginning, some people secretly tuned into broadcasts from North Point on their parabolic antennas. But as time passed, the broadcast no longer came in. Maybe the satellites were destroyed. All non-military computer networks were shut down. Gasoline was rationed to civilians. Though we lived in the 21st century, we were reduced to using crystal radios and horse-drawn carts. I moved in with my uncle in town, who used to be a taxi driver. Out of gasoline and out of work, my uncle did nothing but to drown himself in drink. I earned my keep by playing the harmonica in the town bar. The one thing I was good at. I'd play for sullen occupation soldiers in exchange for their charity and loose change, and use the money to support my uncle and myself. My uncle trash-talked the barkeep who catered to the enemy soldiers, but he never refused the money I brought home. As for myself, I had a crush on the barkeep's only daughter, who was a little older than me. Another day passed, yet still no sign of the fighter plane Yellow 13 in the skies above our town. Donc voilà, donc en fait la personne qui parle, vous l'aurez compris, c'est le gamin qui a perdu ses parents puisque l'avion abattu s'est crashé sur leur maison carrément. Et du coup, il cherche le fameux Squadron 13, les Yellow, que l'on va du coup rencontrer un peu plus tard dans le jeu. On va profiter pour sauvegarder, mais je crois qu'il n'y a pas de carte mémoire, donc on va voir. Un crate safe fail, yes. Attention, ne retirez pas la carte mémoire, voilà. Et on va faire OK. Voilà, Imminent Trade. The enemy-held Wrigley Air Base is located in close proximity to our front lines, making it the proverbial knife at our throat. A large Illusion bomber contingent was deployed to Wrigley. Their intentions are clear. A full-scale strike on our forces at North Point is imminent. Your mission is to catch these bombers on the ground and destroy them. We intend to turn the parking ramp at Wrigley into a junkyard. Allez, c'est parti pour la deuxième mission, qui est une mission d'attaque plus ou moins au sol. On va essayer de détruire tous les bombardiers qui sont cloués au sol. Et il va falloir du coup faire assez vite, mine de rien, parce que plus on va arriver vite sur place, plus on va pouvoir en fait détruire les avions qui vont du coup être alertés par notre arrivée et commencer à décoller. Donc
Donc ça va bien nous servir, vous allez voir. Là, en fait, on va directement aller chercher la base et on va éviter que les avions décollent. Pour se faire la gun qui nous a bien envoyé. Vous voyez les avions au sol là. Voilà. Comme ça ils pourront pas décoller. Et du coup on va pouvoir faire tranquillement le reste de la base et surtout les avions qui étaient en chasse tout à l'heure. Il y en a encore un d'ailleurs là. Alors il nous reste que deux missiles, hein. Enfin deux bombes à larguer. On se bat un petit peu à armes égales, hein. Ils ont des F5, des 5E, donc on est quasiment au même niveau. Alors il peut y avoir des baisses de framerate, donc on essaiera de voir si on peut régler ça. C'est un jeu qui est très difficile à émuler parce qu'il y a pas mal de bugs. Et on va essayer tout de suite. Donc là, on va, avant de finir le dernier, on va d'abord... Vous voyez, on est à 2000 points, donc pour l'instant on est rang A. Et maintenant, on va aller chercher la craft qui est juste là. Voilà, ça c'est fait. Alors pour le moment les avions sont pas très compliqués à abattre, mais d'ailleurs plus on va avancer dans le jeu, plus ça va être difficile. A significant number of enemy bombers were eliminated, and a full-scale airstrike on North Point was averted. Voilà, du coup, rang S, c'est bon. On se donne un peu plus d'argent d'être en S, d'ailleurs. One night, a spirited group made their way into the bar.
chased out the sullen army grunts, and commandeered the place. Even I knew who they were. The patch on their sleeve was the mark of the proud Air Force. A loud-mouthed, middle-aged man went around, announcing each pilot's results for the day and his running kill record. For those who exceeded 5 kills, a thorough toasting and soaking followed. I believe it was their custom to call a pilot an ace once he shot down 5 planes. After completing the day's review, the same guy, the squadron adjutant, went on to announce, "And now, for our leader's results." Everyone turned around to look at the quiet man who sat alone, strumming a guitar. I found myself drawn to the music from his guitar. Our Yellow 13 bagged 3 more today, bringing his new tally up to 64 kills. With a tentative smile, the man with the guitar turned to me and asked me to accompany him on my harmonica. I brought it up to my lips and I started a new song. I had finally found him. But by some fluke, it was my father's favorite song, the one he used to play at the end of each day. The Allied forces are retreating, and survivors are gathering at the northern port of St. Arc. However, the radar facilities atop Mount Chesna provide tactical support to the enemy. As a result, our evac mission is in jeopardy. If our troops can successfully evacuate and regroup at North Point, they will become a formidable force in future battles. Your mission is to destroy the radar facilities on Mount Chesna, thereby blinding the enemy and hiding our troop movements. Donc là, la mission dans la neige, dans les montagnes, un petit peu sûr à détruire plusieurs blocs. Alors, on va voir déjà les avions qu'on peut commencer à acheter. Pour le moment, on a toujours que le S5E. On va attendre un petit peu pour avoir déjà un nouvel avion. Je crois que c'est à partir de la troisième mission, donc celle-ci, que on va pouvoir débloquer un troisième avion. Et c'est parti. This combat area is within enemy airspace. Keep an eye out for bandits. Use vector 180 to return home after destroying the target. Remember, a safe return completes the mission. Clear to engage. Mobius 1, engage. Mobius 9, engage. This is Chesna Radar 1. Bandits approaching vector 135. Heads up, enemy radar spotted. Radar base 1. Vector 310, 8 miles. Bandit at 12 o'clock. Radar lock. Thank you.
summit. They're swarming in! Fox 2. Target is neutralized. On n'a pas réussi à toucher le... le missile antiaérien. Et là, on va être contre des F-16. C'est ce qui est. À la maison. Use the return line on the map to exit combat area and return to base. Fly in the right direction and you'll see a white dotted line across your flight path. Those of you who need to resupply or refuel during missions should cross this line to exit the combat area and return to base or carrier. Approaching return line. Follow the Mobius 1, perform landing check. You are cleared to land. Donc je peux skip, c'est ce qu'on va plus ou moins faire. Parce que j'ai pas envie de risquer de devoir tout recommencer. Concrètement, si on se crache, on recommence toute la partie. Hein. Donc ça ne sert pas à grand chose. With their radar out of commission, the enemy's command and control is degraded. The evac and regrouping efforts are proceeding as scheduled. En plus, il n'y a pas de point pour s'être arrêté. En tout cas. Quand on démarre ou quand on décolle ou qu'on repart, il n'y a pas de bonus. Strategic supplies and rapid deployment troops into Comberth Harbor. Comberth appears to be the staging area for an attack on North Point. The Aeger fleet stationed here seems to be the centerpiece of this strike. If the Eurusians complete their troop preparations and the Aeger fleet sets sail,
This will bring about our defeat in this war. Your mission is to intercept and shoot down the enemy transport planes in and around our Earth Harbor. Let's show them how vulnerable they are. Be advised, the transport aircraft have ECMs on board that emit powerful jamming signals. Rely on visual contact rather than radar. Donc ici c'est une mission où on va devoir attaquer les avions jusque l'arène 9, sauf que vous l'aurez compris, il va y avoir certaines cibles, notamment des E-767 qui brouillent les radars en fait concrètement. Donc du coup ça empêche de voir où sont les cibles. Donc le but ça va être d'abord de les taper en premier pour ensuite pouvoir se fixer sur les autres avions. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas besoin de spécialement acheter un autre avion. Vous voyez, on a débloqué le F-16 Fighter. On l'achètera pour plus tard encore. Alors, on pourrait acheter un autre type de bombe d'ailleurs, mais on va pas le faire avec cet avion. Enfin, ça serait un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres ou pas grand chose. Voilà, vous devez me demander ce que je suis en train de faire. Hop. Voilà, on a débloqué un débrouilleur. Maintenant, on va se faire les avions. Donc là, on a des mirages de mines contre nous. Alors à savoir que la bonne technique en général pour pouvoir avoir les avions, ça dépend lesquels évidemment, c'est surtout de les verrouiller le plus tard possible, quitte à changer de cible dans les moments pour pouvoir surprendre l'avion, parce que plus on reste longtemps avec une cible, plus l'adversaire va avoir tendance à sortir de la trajectoire pour esquiver justement. Voilà, commence à partir, je change du coup de cible. Voilà, on l'a esquivé. Et en combat tournoyant, ça devient de plus en plus compliqué. On l'a mise, on l'a bien mise comme il faut.
Il faut évidemment faire attention. Après j'ai tellement peu de vitesse en progression, enfin en montée. Fait l'avoir en deux, en une fois. Alors on ne peut pas donner d'ordre à l'autre équipe. Ça il faudra attendre le 5. Oh, par contre il m'a aidé. L'équipier a envoyé un missile au même moment. Ah non, je voulais faire un truc joli à la fin, mais finalement, c'est un peu l'échec. Les nuages, en volumétrique aussi. C'était aussi le bel ajout de la PlayStation 2 à l'époque. The mission was a success. This Erujian air corridor has been effectively shut down. Converth Harbor, home of the Jaeger fleet, is completely dependent on a single petrochemical complex for its fuel supply. The complex consists of a land-based oil refinery storage facility and an offshore oil drilling platform. Your mission is to go out and destroy, or at least damage, these sites. Our objective is to reduce production output of this complex to 20% or less. By cutting off the port's fuel supply, we will delay and disrupt the combat deployment of the Jaeger fleet. Alors là, voilà, là ça c'est une mission qui est assez pas compliquée en soi, mais compliquée si on vole en S, puisqu'il va falloir démolir pas mal de choses. Et pour le moment, on a les avions qui n'ont pas beaucoup de missiles, donc c'est quand même assez compliqué. Vous avez le monde qui a, ça va commencer à être compliqué. Donc du coup, on va aller voir un petit peu les avions. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'embarquement au niveau des missiles. Là par exemple, on peut voir que sur le F-16, on va avoir 52 et 14. Ici, on va avoir 48 et 12, donc ça vaut pas le coup. Et par contre, sur le F-4,
on va avoir 52 et 08. Donc 52 et 08, je pense que le F-16 pourrait être un petit peu mieux. Voilà, on va avoir 14, du coup on va prendre le F-16. C'est parti. Non, on va pas l'acheter lui. En plus, il va falloir être assez manœuvrable parce qu'on va avoir pas mal d'anti-aériens. Alors, l'autre arme qu'on peut débloquer, c'est une arme avec 4 slots qui est une arme air-to-air, donc en gros d'avion vers avion. Et c'est pas forcément l'intérêt de cette mission. Donc, il faut faire 2000 points au minimum avant la fin du temps limite. Ce qui est certain, c'est qu'on va sûrement devoir retourner à la base pour faire le ravitaillement et ensuite on va repartir. Donc, c'est parti. Operation. Split into two groups and destroy targets. Inflict as much damage as possible to the complex and reduce their output. There's an oil fence on the shoreline. We'll be seeing a welcoming party any minute now. Clear to engage. Mobius 1, engage. Radar lock. Omega 11, engage. Oula. Ouais, par contre là, en train de se louper. On va laisser tomber. On va directement aller chercher les autres. Touché, il a mis 5 de dégâts. Alors on a un trash de missiles. Alors chaque point de couleur a des points différents, c'est que le point rouge en rapporte beaucoup de points. Il nous reste 33 missiles et 10 UGBMS, je peux comprendre ça. Failure!
Ouais, avec un seul missile, on peut faire pas mal de dégâts. Là on a 1840 points sur 2000. Et grâce à mon coéquipier, voilà, on a pu l'avoir. Et on a failli se faire avoir par le déplacement de la grue, hein, au passage. Ah, il m'a mis, je l'ai mis comme il faut, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à revenir sur nos pas. Donc ouais, déjà on a le rang B. Pour le moment il reste 3 minutes. Donc la mission elle est réussie déjà, mais c'est juste qu'on va essayer d'avoir le rang S. Mobius 1, you are cleared for takeoff. Allez, nous sommes repartis. On va aller chercher. On va sortir un peu de cette zone. On va aller dans la zone. On va aller sur la Terre. Et on va aller taper un petit peu de ce côté-là. Oui, la lune elle change à chaque fois, là on a la lune qui est quasiment complète. C'est un petit détail. Reserves will be a severe blow to
après, il nous reste 58 secondes. Il nous reste 20 secondes. Et là, il nous reste 3 minutes 53. Et je vous laisse découvrir. Donc là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. On a 3 minutes pour rentrer. Soit on s'attaque au Yellow. Et ce sont ceux qui s'occupent justement de garder Stonehenge, parce qu'ils viennent le dire. Donc en fait, on peut soit les engager, soit continuer, soit partir, sachant qu'ils sont extrêmement difficiles à battre. Et vous allez voir sur la carte, il y en a qui vont se faire éliminer, parce que c'est vraiment des as en fait dans le jeu. Donc nous, on va retourner, mais on va bien sûr un jour les retrouver. Of reserves and the ability to process 250,000 barrels of crude oil daily. The Aegir fleet is effectively immobilized and no longer a threat. Unfortunately, our losses were high as well. We now rely on your skills more than ever to compensate for our losses. Donc on a réussi à avoir le rang S. Ça répète la dernière mission, on aura le rang S d'ailleurs. Freeway under construction in a wheat field outside of town. When they started construction, I remember how the mayor bragged about it, even though it would completely bypass our town. The freeway became the occupation forces' makeshift runway, and the unfinished tunnels their bunkers. This was their base. They were the elite flight squadron chosen to protect the cannon. Ironically, the same cannon that was created to shoot down the asteroids became a catalyst to the war. But when the Allied attacks no longer came, the squadron was assigned long-range missions that took them to distant battlefields. I thought of the words I would use to confront him and bided my time. Although I harbored these feelings within me, I could never get close to him. His wingman was always by his side. Despite having a gentle demeanor, I could tell that the wingman would never allow danger to get near Yellow 13, even on land. The pillar of their group, 13 exuded an air of invincibility. He always chose to fly a five-plane formation. He was a man who prided himself not on his kill record,
but on his record of never losing a squadron member. It's difficult for me to describe just how good Yellow 13's flying was, but I witnessed it once from the ground. The lead plane of the five-plane formation should have turned the same arc with the same timing as the others, yet only his plane drew sharp contrails. His heart felt compassion towards the weaker enemies he downed. Someday, if an equal appeared and challenged the limits of his skills in a fight, he would bear no resentment about being shot down. He said this himself. And so as time passed, I found the goodness of a home in their company. Leaving them was no longer an option for me now. Et on va s'arrêter du coup là-dessus et on se retrouvera pour la prochaine partie où on va découvrir un peu plus ce fameux Stonehenge. Je vous dis à la prochaine pour la suite.